Fête de l'Avent, premier dimanche. Rappel du souvenir de l'attente de Jésus, la naissance de Jésus. Mais pour nous chrétiens, du 21e siècle, nous n'attendons plus la naissance, nous attendons la seconde venue de Jésus. Mais voici que l'attente, c'est quelque chose qui demande de la patience, de la persévérance. L'attente, c'est, par définition, c'est long. L'attente est un thème biblique. L'attente est aussi un temps de formation, de transformation, de réformation. C'est dur d'attendre, c'est difficile d'attendre. Il y a plusieurs choses que nous attendons dans nos vies, quelquefois pendant des mois, voire des années. Et notre attente suprême, c'est la seconde venue de Jésus. Y croyons-nous encore, vraiment, aujourd'hui? Mais il y a une autre attente aussi, c'est notre départ. S'il ne vient pas à nous, nous irons vers lui. Tout dépend de son calendrier qui nous est inconnu, mais nous sommes appelés à être vigilants. C'est un peu ce qu'ont reflété et mis en évidence les différents textes qui ont été lus. L'attente, elle a commencé, me semble-t-il, lorsque il a été dit aux disciples: homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. C'est une certitude. Cependant, durant ce temps d'attente, nous pouvons être tentés d'abandonner, tentés de désespérer, nous éloigner du Seigneur, nous éloigner de ses voies, nous éloigner de son plan. Dans la parabole du serviteur fidèle et prudent, il est dit, c'est Jésus qui parle, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera actif. Les vierges folles et les vierges sages, dont le texte nous a été lu en entier, nous interpellent à être prêts. Et j'aimerais relire juste un passage de cette parabole. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormir. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Une autre parabole, celle des trois serviteurs qui ont reçu l'un 5 talents, l'autre 2 talents et l'autre 1 talent. Il y a aussi un verset, je ne vais pas relire le texte, il a été lu. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Le Seigneur nous aime tellement que par amour, il ne peut pas nous laisser. Lorsque nous dévions de ses voies dans l'état où nous sommes, et il fait agir par amour sa discipline. Je l'ai expérimenté. Il est fidèle, il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, nous dit la parole.
et nous sommes tous faits de la même pâte. Il y a donc l'activité de Dieu qui consiste en nous sanctifiant, nous mettre à part, nous purifiant. Et cela passe souvent par des épreuves. L'apôtre Jacques nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Pourquoi ? « Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi ? La patience. » Et nous avons besoin de patience pour attendre. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle qu'encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et ça fait longtemps qu'il a écrit cela. Selon notre conception du temps, il me semble que le Seigneur a du retard. Mais c'est mon avis personnel, ce sont mes pensées, ce ne sont pas ses pensées. Si déjà à l'époque, il est dit qu'il ne tardera pas, nous pouvons le croire. Et Jésus lui-même nous dit, veillez donc, je le rappelle, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce serait merveilleux que, alors que nous ne nous y attendons pas, nous puissions vivre cette rencontre avec le Seigneur. On ne s'y attend pas, quand bien même on peut prêcher dessus. Mais alors que faire ce temps d'attente qui dure, qui perdure ? Que faire durant ce temps d'attente ? Avons-nous des repères ? Le Seigneur nous a-t-il laissé un modèle, des directives précises ? Il m'est apparu que ce que j'ai pu lire dans le livre des Actes, deux versets, il y avait là le programme que le Seigneur a prévu, a mis en place pour son Église. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. C'est un réveil. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Et dans les prières. Pour persévérer, il me semble qu'il faut être animé d'une passion intérieure, de foi, d'enthousiasme. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que le mot enthousiasme, étymologiquement, signifie être rempli de Dieu. Pour persévérer, il faut que nous ayons une attente solide, ferme. La persévérance, c'est une attente active et non passive. La persévérance, c'est la constance en action. Quelqu'un a dit « Percez et vous verrez ». La persévérance, c'est ce qui fait souvent le plus défaut, me semble-t-il, dans la vie du chrétien. En tout cas, cela a été mon expérience. Mais quand bien même, heureusement, il nous arrive de ne pas réussir à persévérer, il y a quelqu'un qui, lui, persévère, qui a donné l'exemple, qui a persévéré jusqu'au bout, et dont la parole de Dieu nous dit qu'il ne se découragera pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Quel exemple merveilleux! Les premiers chrétiens persévéraient
C'est la base d'ailleurs de tout ce qui va suivre. Parce que l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, cela n'amène pas loin, cela n'apporte pas de fruits s'il n'y a pas la persévérance. Alors il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il nous faut repenser à cette formation que j'en vis, extraordinaire qu'ont pu vivre les apôtres, puisqu'ils ont pu voir Jésus de leurs yeux, entendre le son de sa voix, observer les expressions de son visage et lui poser des questions en privé. Nous sommes aussi encouragés parce que, comme nous, il y a des tas de choses qu'ils ne comprenaient pas. Quelquefois même, ils n'osaient pas poser la question à Jésus. Mais le Seigneur prenait du temps avec eux. Et surtout, après la résurrection, Jésus a passé quand même 40 jours avec eux à leur enseigner beaucoup de choses. C'est ce qui nous explique que quelquefois, il nous apparaît que certaines interprétations de paroles de l'Ancien Testament nous semblent mystérieuses dans la manière dont les apôtres l'interprètent. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, 12 kilomètres, à vivre un enseignement en particulier avec Jésus. Bien qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus, mais il leur a donné un enseignement. Lorsque leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont vu que c'était Jésus, tout ce qui leur avait été dit en chemin, ils l'ont retenu. Ils ont pu le communiquer aux autres apôtres. Et puis, 40 jours où le Seigneur a aussi parlé avec les uns, avec les autres, les a enseignés. Et donc, ils avaient les bases pour bâtir la doctrine de l'Église naissante, qui allait devenir croissante. Et les premiers chrétiens, ils avaient soif. C'est, me semble-t-il, la condition sine qua non, on dit, hein, indispensable. Si vous n'avez pas soif, on n'en a que faire des enseignements du Seigneur, et on ne persévérera pas. Mais ils avaient soif. Et ainsi, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et pour nous, aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir les textes du Nouveau Testament. Est-ce que nous persévérons à les lire, les méditer? Il est important, me semble-t-il, de lire en priorité, de lire, de méditer et d'étudier en priorité la parole de Dieu et en complément la littérature chrétienne. Mais il apparaît qu'il y a un déséquilibre lorsque nous lisons uniquement des livres chrétiens et que nous délaissons la parole de Dieu parce qu'elle est le fondement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, et l'enseignement des apôtres, c'est aussi ce qui nous garde des nombreuses hérésies qui déchirent l'Église, qui ont déjà déchiré l'Église. Lorsque nous lisons dans le précis d'histoire de l'Église de Jules Marcel Nicole et que nous lisons l'évolution avec tous les courants, les divisions, les hérésies, c'est effrayant. Et le manque d'affermissement dans l'enseignement des apôtres a laissé la voie ouverte à bien des hérésies. C'est un danger qui nous guette encore aujourd'hui. Il est important pour nous de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans son ensemble, les enseignements de Jésus. Mais être enseigné, c'est bien. Comprendre, c'est très bien. Et mettre en pratique, c'est mieux. Parce que nous pouvons connaître beaucoup de choses, citer des versets, même des chapitres en entier. Jacques nous dit « Heureux celui qui met en pratique la parole de Dieu, qui se ne borne pas simplement à l'écouter. » C'est un cheminement, c'est un chemin de croissance. Aucun d'entre nous ne peut prétendre réussir à mettre en pratique
tout ce que la parole de Dieu nous ordonne, tout ce que le Seigneur nous enseigne. Mais nous devons être en marche, persévérer. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de persévérer. Nous pouvons tomber dans notre marche chrétienne. Et c'est un problème de tomber, mais c'est un plus grand problème de ne pas se relever. Tu es tombé, relève-toi. Tu n'arrives pas à te relever, demande au Seigneur de t'aider à te relever. Et il le fera. Parmi la mise en pratique de ce qu'enseigne la parole de Dieu, il y a la communion fraternelle, parce qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Communion, c'est une union commune. Mais nous voyons qu'il y a une union commune chez les politiciens, les clubs de sport, les tas d'activités. Chez nous, il y a une union commune au sein d'une famille qui est la famille de Dieu, c'est la communion fraternelle. Oui, d'accord, mais elle se manifeste comment cette communion fraternelle ? Plutôt que de faire une liste de tout ce que nous pouvons mettre en pratique pour manifester la communion fraternelle, il m'apparaît que si nous sommes animés de l'amour du Seigneur, si nous avons cette relation personnelle avec le Seigneur, cette relation personnelle avec Dieu aura pour résultat de nous pousser à aimer nos frères et sœurs, notre prochain, à pardonner, à aller de l'avant, et cet amour se manifestera aussi par des actes concrets. N'aimons pas simplement avec la langue. Et l'Église primitive naissante persévérait aussi dans la communion fraternelle, parce que il peut apparaître difficile de nous entendre avec des personnes avec qui nous n'avons pas forcément des affinités. Et nous sommes appelés à persévérer, à établir malgré tout le contact. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Les disciples eux-mêmes n'avaient pas forcément toujours des affinités entre eux. Jésus lui-même avait une affinité particulière dans son humanité avec Pierre, Jacques et Jean, nous le savons. Pourtant, il aimait les disciples de la même manière. Mais il y avait dans son humanité des affinités. Et de même, au sein de l'Église, il y a des affinités. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'inimitié, puisque nous passerons tout de même l'éternité ensemble. Autant être en paix déjà ici-bas. Enfin, la fraction du pain, pour nous souvenir que le corps de notre Seigneur a été rompu. Nous souvenir que son corps a été rompu, son sang a été versé et qu'il revient bientôt. Quand ? Je ne le sais pas, mais il revient. Et même si nous ne savons pas quand il revient, en tout cas, une chose est certaine, c'est que nous sommes appelés à être veillants, surveillants, attentif à notre marche avec Dieu, mais attentif aussi à nos frères et sœurs. Comment vont-ils? Comment se portent-ils? Y a-t-il un frère ou une sœur que nous ne voyons plus depuis certains temps à l'Église, de qui nous n'avons plus aucune nouvelle? Persévérons dans la communion fraternelle qui se manifestera par une prise de contact. Comment vas-tu, mon frère, ma sœur? Puis-je t'aider? Puis-je t'écouter? Puis-je te rendre visite? As-tu un besoin particulier? La fraction du pain. À l'époque, c'était un repas. Un repas complet. Et il persévérait dans cette fraction du pain. Ce souvenir qui n'est pas toujours évident de garder à l'esprit, parce que nous sommes entraînés par le tourbillon du quotidien. Nous avons des obligations, le travail. Si nous sommes à la retraite, nous avons aussi des engagements auprès de nos familles. Nous avons des tâches administratives à accomplir, des courses, des visites à l'hôpital. Et pourtant, la base de notre vie chrétienne, de manière individuelle, j'en ai parlé il y a quelques semaines, avec le culte personnel, mais aujourd'hui il est question de la vie en commun, la vie de l'Église. Nous souvenir ensemble
que Jésus-Christ doit être au centre de notre vie d'Église, au centre de notre spiritualité en commun. La fraction du pain est donc importante. Elle nous ramène à ce souvenir essentiel, indispensable, du corps de Jésus meurtri pour nous. Et enfin, il persévérait dans les prières en commun. La prière en particulier, je l'ai déjà évoqué, c'est indispensable, c'est primordial, mais la prière en commun, c'est là que quelquefois c'est difficile de prier en commun. Parce que là encore, le problème des affinités peut nous jouer des tours. Je n'ai pas envie de prier parce que je ne me sens pas en communion avec tel frère, telle sœur. Ou parce que je n'aime pas sa manière de prier, ou parce que je ne me sens pas libre de prier, le regard des uns et des autres. Ainsi, le programme du Seigneur pour son Église, c'est de persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Et lorsque ces points fondamentaux ne sont pas vécus, mis en pratique par l'Église, le Seigneur, j'allais dire, est obligé. Est-ce le bon terme? Je ne sais pas, mais il y a des églises qui ont été bousculées par des événements difficiles. Et les chrétiens ont retrouvé le chemin de la prière, le chemin de la méditation de la parole de Dieu, le chemin de la communion fraternelle, le chemin du soutien. Lorsqu'il y a des réveils, c'est parce qu'il manquait d'éveil. On n'a pas besoin de réveiller quelqu'un qui est éveillé. Le sommeil est quelque chose qui nous guette chacun d'entre nous. Alors voilà, nous nous souvenons de la naissance de Jésus, l'attente du Messie était attendue, elle a eu lieu, à un moment où certainement le peuple ne s'y attendait pas, et aujourd'hui notre attente à nous, peut-être que nous le fêterons encore plusieurs années d'affilée, cette fête de l'Avent, peut-être que c'est la dernière, attendons, le Seigneur a vraiment dit qu'il revient et que nous devons veiller. Amen.